Streets of Rage Remake est une adaptation récente et désormais introuvable d'une série de jeux des années 90 nommée, comme vous en doutez, Streets of Rage. Il est impossible de parler du remake sans parler de l'histoire des jeux originaux sur lesquels il se base, et je vais donc vous faire une petite rétrospective de ce qu'étaient ces jeux pour qui ne les connaît pas. Streets of Rage est un de ces jeux qui aura marqué une génération. C'est un beat'em all développé par Sega, sorti sur Mega Drive principalement, et qui aura été adapté sur Master System, Mega CD, Game Gear, et plus récemment sur iPhone, et via la console virtuelle sur Wii et Wii U. Ce type de jeu était assez populaire durant ces années, mais pour quelques rares perles qui sortaient du lot, bon nombre de beat'em all n'avaient absolument rien de comparable vis-à-vis des grands noms. Sega, fort de son expérience dans ce type de jeu à succès, avec des noms tels qu'Altered Beast ou encore la série des Golden Axe, se décide d'opter pour un nouveau jeu dans un environnement contemporain. L'idée est plutôt simple. Dans une ville dorénavant tombée aux mains d'un syndicat du crime, trois jeunes officiers de police tentent de former leur unité de combat. Devant le refus de leur supérieur, les trois héros, Adam Hunter, Blaze Fielding et Alex Stone, démissionnent et vont sauver la ville par leurs propres moyens. Non armés, mais excellents dans les arts martiaux, ils se feraient un chemin jusqu'au chef du gang, à travers les niveaux. L'environnement est riche en couleurs, les héros charismatiques, la palette de coups plutôt étendue, le gameplay intuitif et rapide, les ennemis variés et nombreux, et chaque boss est un challenge en soi. Pour ajouter, la pointe finale qui permet d'approcher l'excellence, la musique est confiée à Yuzo Koshiro, qui a également composé les musiques de Sonic sur Master System et Game Gear, de la série Shinobi, de Super Adventure Island, et qui travaillera plus tard sur la bande-son de jeux tels que Shenmue ou Super Smash Bros. Pour ne citer que. Le succès du jeu est immédiat, et Streets of Rage devient l'une des franchises les plus vendues sur ce support, la trilogie arrivant dans le top 40 des meilleurs jeux Mega Drive, console qui en comptait pas moins de 1200. Chaque nouvel opus apporte son lot de nouveautés, aussi bien en termes de mécanique de jeu, que de personnages, de niveaux, d'armes, et à chaque nouvelle itération, un nouveau succès à la clé, et entre 1991 et 1994, la série de Streets of Rage aura bercé les aficionados des beat'em all. Pour les possesseurs de Mega Drive, Streets of Rage fait partie de ces jeux cultes, et bien que le style soit de moins en moins représenté dans l'industrie vidéoludique, les gens qui ont eu l'occasion de toucher à cette licence savent à quel point elle est regrettée et attendue pour un comeback spectaculaire. Mais les années passent, Sega dort sur sa poule aux œufs d'or et sur la nostalgie d'un groupe de fans. Nous sommes désormais en 2003. Un développeur espagnol, connu sous le nom de Bomberlink, se lance dans un projet fou, ramener sur le devant de la scène une de ses licences phares, Streets of Rage. Tout d'abord agissant en solitaire, il arrive à lever, pour son projet, l'aide d'une vingtaine de personnes, qui vont travailler sur la partie graphique et sonore du remake. Pour ne pas avoir à utiliser de la rétro-ingénierie pour récupérer le code source du jeu, ils développent leur propre moteur. Toute l'équipe travaille d'arrache-pied et se base sur leurs ressentis pour offrir une expérience aussi proche que possible des jeux originaux. L'équipe de Bomber Games, le studio qui œuvre sur ce projet, écrit à Sega, leur expliquant leur démarche entamée. Silence radio de leur côté. Entre 2003 et 2011, toute une série de bêtas sortent. Le remake est impressionnant. Les contenus proposés dans la dernière version de Streets of Rage Remake sont légion, et le retour de la presse et des joueurs unanime. Il propose désormais une vingtaine de personnages jouables, 4 modes de jeu inédits et pas moins de 100 niveaux supplémentaires. Et comme ce n'est pas assez, le jeu permet également de modifier les sprites des personnages pour créer les siens, et même un éditeur de niveau qui vous permettra de créer vos propres cartes. Ou plutôt, permettait. Le 7 avril 2011, au bout de 8 ans de développement, Sega ordonne par courrier à Bomber Games d'arrêter immédiatement toutes leurs activités. La communauté sera prévenue de la fin de ce projet par un simple message posté sur le forum. Les liens de téléchargement sont tous retirés. Les fans sont sous le choc. Face au déferlement de virulence de la part des joueurs, Sega envoie une réponse officielle via le site Kotaku. Sa réponse n'est pas grand-chose. Il assure auprès des fans qu'il est engagé auprès d'eux, mais se réfugie derrière son obligation à protéger sa propriété intellectuelle, et donc de supprimer ce contenu. Le lendemain de la suppression de ce remake gratuit,
Sega sortait sur iOS à un peu plus de 2€, un portage assez médiocre de Streets of Rage, premier du nom. Streets of Rage Remake n'est désormais plus que de l'histoire ancienne. Il n'est plus possible de le trouver qu'en passant par certains sites illégaux, mais cet épisode triste vient clore une attente de 15 ans de la part des fans, Sega préférant vendre désormais des versions non altérées de leur jeu sur console virtuelle ou téléphone mobile. Le forum de Bomber Games n'est plus. Leur site internet n'a plus bougé depuis des années. Clap de fin pour Streets of Rage Remake.